Salut, toi. Bon, d'accord, alors. Salut Silvo, j'espère que vous allez bien, le soleil Pour s'installe. mon corps, essayant de me prévenir que Zélastique, en ce moment j'en fais un peu trop. Aujourd'hui, on va s'entraîner au poids de corps. Qu'est-ce que t'en penses? Qui ne dit point bon consent? Tu vois, me retrouver aussi proche du sol pendant presque une demi-heure, ça m'a fait réaliser quelque chose. Faut que je passe l'aspirateur. Mais bon, aujourd'hui j'ai du temps, alors on fera peut-être ça dans l'après-midi. Comptons les animaux d'abord. Un chat. Alors de ce côté, 1, 2, 3, 4 et 5. 1 et 2. Hop. Alors, les poupées. J'en vois un là-bas. Un deuxième en dessous. Et le troisième, il est là. Hop. Les petits orientalistes. Il y en a un sur l'écorce là. Les deux autres. Où êtes-vous planqué? Rigueur qu'il en manque un, ça arrive, mais là. À Louis Houston, on a un problème. Ok, donc en fait ils sont juste bien cachés. Il y en a un dans la plante là, et il y en a un deuxième dans la plante là-bas. Ah, il fallait les voir, hein. Donc, la suite. Bon, les deux gros mères, les deux grosses mamères là. Bon. Il y en a une là, et il y en a une deuxième là. Et pour ce qui est de l'intérieur de la cachette, et Mud est probablement derrière, ou alors il est. Là, ouais, c'est bon, je le vois. Il est juste derrière la cachette, à côté du tuyau et des plantes. Alors aujourd'hui, je me presse pas, j'ai du temps. On va essayer de prendre en flag. Là, c'est la mise au point, pareil. Voilà, il y en a une là. C'est pas mal. Et les petits Popeye. Il y en a un là. Un deuxième à côté. Et le troisième. Il est aussi sur l'écorce. Ben oui, il est aussi sur l'écorce. Ils sont tous les trois là en fait. D'ailleurs, j'ai trouvé quelqu'un pour les récupérer. C'est une personne qui va venir de Strasbourg. Motivé, lui. Oh, la petite douche. Les premières 10 minutes de cuisson, c'est pour les légumes surgelés. Et les deuxièmes 10 minutes de cuisson, c'est pour le tofu et les pois chiches.
le travail. Alors, il y a un peu plus de glucides que précédemment parce que j'ai fait une première semaine avec un tout petit déficit calorique et j'ai perdu 2 kilos. Donc, on va essayer de se calmer un peu sur le déficit. Bon, il est bien beau cet épisode, mais ça parle pas assez de salamandre, si tu veux mon avis. Niveau manga, j'ai le tome 3 de Kaguya-sama et les tomes 7 à 10 de Goblin Slayer. Donc ça, je l'ai pas encore lu, ça j'ai lu. C'était toujours aussi bien, je suis... Alors, j'ai pas découvert grand-chose, même s'il y a des scènes inédites dedans. Mais c'est vraiment un pur plaisir. La, je sais plus si c'est le chef otaku ou un random youtubeur qui disait que c'était un peu le Death Note de l'amour, et je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, je crois que le gars qui s'occupe du rayon manga à la Fnac m'a pris d'affection parce qu'il m'a filé des post-it One Punch Man et un album d'illustrations des éditions Soleil. À chaque fois que je passe, il vient me taper la discute, il me donne le bonjour avec un grand sourire et tout. Alors c'est peut-être juste le fauteuil, ou peut-être que c'est juste une personne extrêmement agréable, mais enfin bon, à savoir. Il va falloir quand même un moment que je réfléchisse à où ranger tout ça. En ce qui concerne la suite, bah du coup la semaine prochaine, les petits Popeye partent. Ce qui les remplacera, ce sera techniquement... Une espèce de synopsis, j'ai pas encore décidé laquelle, mais j'ai ma petite idée derrière la question. Et il pourrait se. Disons, c'est possible que ce soit déjà un couple, donc j'en aurai que deux nouveaux. Mais de nouveau, ce sera déjà bien assez suffisant pour ce 60 litres. À faire, à suivre. Alors désolé, vous n'avez pas eu d'image des Axos aujourd'hui, mais ils ont décidé de se planquer et de ne surtout pas sortir, donc bah, pas d'image. En revanche, aujourd'hui, cette larve de croc a décidé de faire son show. Alors je ne sais pas, sont ses deux copines. Mais... Fais la mise au point, pareil, s'il te plaît, merci. Mais, je suppose qu'on les verra à un autre moment. C'est ainsi que va se terminer cet épisode. Il ne s'est pas passé grand chose dedans, donc je vais essayer de vous partager 2-3 anecdotes de ma semaine quand même, parce que sinon ce ne serait pas tout à fait sympathique de ma part de vous laisser sur votre faim comme ça. Alors, déjà, premièrement, je voudrais me faire une sacrée tape dans le dos à moi-même. Sois bien, loulou, tu vois, on me tape vigoureusement le dos parce que. Depuis que j'ai commencé le sport, et notamment depuis que j'ai commencé à faire 6 séances de sport par semaine, j'ai jamais manqué une seule session. Peu importe la fatigue, peu importe à quel point j'ai pu être cassé de la journée ou de la veille, jamais je ne me suis soustrait à ma séance de sport. Ce qui fait que je suis d'autant plus content d'avoir des résultats. Les fameux 2 kilos que j'ai perdus, plus le fait de me sentir mieux dans mon corps, de me sentir un peu plus massif, ça c'est vraiment très appréciable. Et une deuxième petite anecdote, c'est que quand je suis allé à la Fnac, notamment récupérer le tome 9 et 10 de Goblin Slayer, bah en fait je me suis retrouvé devant les fameux casiers, et puis un monsieur qui est tout à fait sympathique de l'équipe de la Fnac qui m'a demandé « Ah monsieur, est-ce que je peux vous aider ?» Et je sais pas si j'étais dans un mauvais mood ou quoi que ce soit, mais je lui ai répondu « plutôt crevé ». Et je suis extrêmement content qu'il ait si bien pris. Il m'a fait un grand sourire, il m'a fait « d'accord, très bien ». Et puis il est parti. Et je pense que ça pouvait pas mieux se passer pour cette petite... ce petit incartade. Enfin bon. Ça me fait rire aujourd'hui, même si sur le coup j'en venais par là. Je me dis « putain, mais ça sort de ma bouche, ça ?» Et il faut croire que oui. Enfin bon, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. C'était Twin Chaos, ciao.